Alors, bonsoir messieurs, dames, nous sommes dans le cours 345 d'art dramatique. Évidemment, nous sommes en pleine déconfiture, en plein drame économique, social, et ce qui s'annonce devant nous est encore pire ce qu'on nous annonce. Alors, nous, on va mettre un peu de bonne humeur dans tout ça. Alors, vous êtes tous planqués, en avant! Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau cet après-midi, ou plutôt ce soir? On va faire un cours de vacances, comme d'habitude. Alors, le cours de vacances, si vous avez compris, la thématique, c'est la gestuelle de l'acteur, la posture du comédien, tout ça a trait au personnage que vous incarnez. Alors, avant de se déclarer dans une certaine posture, si par exemple vous êtes un militaire, vous allez avoir la posture du militaire. D'accord ? Ha ! Bon, on n'est pas des militaires. Donc calmons-nous, calmons-nous, on est des gens normaux. Alors, toutes les postures sont bonnes. Hein. Il n'y a pas une posture meilleure qu'une autre. Toutes les postures sont bonnes dans le civil. Vous n'allez pas prendre quelqu'un dans la rue et lui dire « Monsieur, vous vous tenez mal là en ce moment ». Ça ne se fait pas. Chacun se tient comme il veut. Et donc, c'est par rapport à vous, à votre propre volonté, à votre propre personnalité. Oui, oui, oui. Et alors, c'est très important la personnalité parce que on oublie qu'on a une personnalité. Vous voyez, pendant des années, je me suis moi-même oublié. J'ai oublié que j'avais cette personnalité d'un personnage. C'est que depuis que je fais la vidéo que je me rends compte qu'il y a des choses que j'aime dire, il y a des choses que je n'aime pas dire. Vous voyez, c'est une personnalité. Il faut avoir cette personnalité dans la vie. Chacun va vivre selon sa personnalité. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Alors... Suivant votre personnalité, il va falloir que vous intériorisez quelle est votre personnalité réelle. Et en rapport de cette personnalité, vous allez adopter la posture, le dynamisme qui correspond à votre façon de vivre. Voilà. Bon, on a vu déjà le premier paragraphe de ce cours de vacances. Maintenant, passons aux exercices pratiques. Les exercices pratiques. Alors, il va falloir déverrouiller tout ce qu'on a dans le corps en partant par l'échine dorsale, parce que c'est la colonne vertébrale, donc c'est la fonction essentielle de la posture, si vous voulez, de la gestuelle. Tout part de la colonne vertébrale. Donc, il va falloir travailler notre colonne vertébrale dans tous les sens du terme. Hein? Dans un sens comme ci, dans un sens comme ça. Et c'est comme ci, et c'est comme ça. Ta-ta-ti et ta-ta-ta. Pa-pa-ti, pa-pa-la. La-la-li-la-la-la-la. Du-d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 u. C'est drôle, j'ai les dents qui grincent. Aïe, 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 je sais pas ce que ça veut dire, mais les dents qui grincent, hein. Bon, j'arrête deux secondes, je reviens, ok? Je vais voir un peu si tous les réglages sont bons, finalement, pour voir un peu l'effet de zoom que ça donne. J'arrive.
Alors, c'est un cours de vacances, comme je vous dis, 345. Le 45, il n'est pas synonyme de 1945. Hein? Non, non, j'ai pas dit ça. Hein? Attention. Hein? Enfin, on va oublier. On va oublier les drames, on va penser à nous. Messieurs, dames, pensons à nous, les pauvres victimes de cette mascarade. Hein? On va essayer, nous, de prendre soin de notre forme. Alors, comme je vous ai dit, ça comporte les exercices physiques. Alors, toutes sortes de... Moi, j'en fais jamais des exercices, c'est pour ça que je suis rouillé. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de me dérouiller. Eh oui, parce que sinon, on tombe en déçu-étude. Voilà, allez, hop, on y va. Et vous aussi, allez-y. Devant votre écran, allez-y. Faites des exercices. Allez-y. Ok. Et puis chantez aussi, allez-y, chantez. Chantez. Alors, ceux qui peuvent faire des mouvements lents, très lents, au plus les mouvements seront lents, au plus ils vous profiteront. C'est une loi de la physique des corps que les très grands sportifs ont découvert. C'est-à-dire que pour atteindre des records, il faut qu'ils s'entraînent lentement, voyez. Au plus vous vous entraînez lentement, au plus le corps il va aller vite. C'est une chose à laquelle on ne pense jamais, nous les néophytes. Et le corps obéit à la lenteur. Au plus vous êtes gentil dans vos mouvements, vous voyez, c'est un peu comme les Chinois en Chine, ils ont une activité sur les places. Ils font du, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, c'est tout en langueur, c'est tout en lenteur comme ça. Voyez ? Ce sont des gestes qu'ils inventent eux-mêmes, hein, parce que ça ne sort pas de Jupiter tout ça. Alors, ce sont des gestes très lents que vous pouvez faire. Et au plus vous serez lent, au plus le corps va devenir bon. On ne sait pas comment ça marche. C'est de la chimie intrinsèque dans les cellules. Les cellules se rappellent mieux, je ne sais pas, il y a un processus qu'on ignore. Hein. Ah, on ignore le processus, mais on l'a découvert. Par exemple, moi qui faisais beaucoup de vélo, eh bien, pour aller loin, il fallait que je roule lentement. D'où, qui veut aller loin ménage sa monture. Et même le proverbe, il le dit, c'est pas de ma faute quand même. Oh là là! Bon, alors allons-y. Alors, mouvement d'étirement. D'étirement, attention. Quand ça force, vous n'allez pas plus loin. Hein? Non, surtout pas de blessure. Il ne faut pas traumatiser le corps. Il ne faut rien traumatiser. Il faut être doux, gentil, brave avec soi-même. Très brave. Les braves vivent longtemps, hein, vous le savez ça. Les braves, on dit. Malheureusement, c'est pas toujours vrai. Mais bon, passons. En tout cas, on va essayer, nous, d'être gentils avec notre corps.
très gentil. Et vous voyez pas comment je suis devenu, quand même en un mois là. Je me suis amélioré. J'étais complètement dur comme un roseau, comme un arbre rabougri. Et regardez, je commence à faire des mouvements, presque je pourrais faire de la boxe, vous voyez. J'ai toujours rêvé d'être boxeur, mais bon, comme j'avais peur de me casser le nez, j'y suis pas allé. J'ai préféré faire le tennis, j'ai préféré faire le football, le football c'est rude aussi, le football c'est très rude. Je me suis longtemps cassé le nez au football, hein. Les coups de tête et tout, en sautant comme ça. Il faut y aller dans la mêlée, hein. Je vous le dis. C'est des blessures à chaque match, hein. Oh, j'en ai eu des blessures. Ma carrière parsemée de blessures. Toutes les semaines, tous les mois, une blessure. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend à jouer avec son corps, à connaître son corps, à connaître ses limites, vous voyez. Et là, je vous parle en grand connaisseur sportif. C'est pour ça que je vous dis, allez-y doucement, doucement. Au plus vous allez y aller doucement, au mieux ce sera pour votre santé. Vous voyez. Même quand vous faites l'amour, allez-y doucement. Vous allez voir les résultats que vous allez obtenir. Fantastique. Au plus c'est lent, au meilleur c'est. Toutes les femmes vous le diront, mais elles le savent. Bon, au début, vous allez y aller dur, puis après, ralentissez. Une fois que c'est dur, vous voyez, vous ralentissez le rythme, ralentissez. Profitez de l'instant qui passe. Vous ne l'aurez pas souvent. Je rigole, c'est la bonne humeur, on est en vacances, enfin... Bientôt ce sera fini les vacances, mais on en profite. C'est le cours de vacances 345, on profite de tout. Et on oublie tous les soucis, les mascarades qui vous racontent. À les écouter, c'est la fin du monde. Hein. Presque j'avais envie de me terrer dans ma cave, de fabriquer un bunker chez moi, mais je suis devenu fou, je commence à installer le lit dans la cave. Oh, je vais m'installer un frigo et tout dans la cave pour attendre les mauvais jours. Où je vais, je préfère mourir, je vais mourir en plein air comme ça, les bras écartés en croix. Allez-y, tuez-moi, je veux pas vivre enterré, non. Et il y en a qui se sont préparés, ils ont des bunkers et tout, hein. Demandez autour de vous, vous allez voir. Je rigole, mais le jour où ça va arriver, c'est pas dans longtemps, hein. Il y en a un qui fait déjà du chantage là-bas, il y en a plusieurs qui font du chantage. Ils lui disent, sors du trou, on t'attrape dedans. Ils vont le tuer de toute façon. Hein. Qu'il sorte ou qu'il sorte pas du trou, ils vont le tuer, le pauvre type. Il ne sait pas où il en est, le mec. Là. Enfin, passons. C'est des criminels, mais il ne faut pas le dire. Des fois, les crimes, c'est l'ego. Ça dépend qui on est. Des fois, on a le droit de tuer, c'est autorisé. Mais si vous tuez quelqu'un, on vous attrape, mais dur, hein. Bon, ne parlons pas de tout ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai dit des conneries. Excusez-moi. On repart dans nos exercices. C'est la journée du bonheur. Avant que ça pète. Et où est la cavalerie, oh. Bon, allez, je crois qu'on a fait assez d'exercices ce soir. On finit par quelques étirements, hein. 5 minutes, ça suffit. Une fois que vous êtes un peu drogué, fatigué, vous vous arrêtez. Oh, je veux pas de crise cardiaque dans mon cours. Hein. Non, allez-y, doucement. Je vous ai dit, doucement, c'est le
succès assuré du bonheur. La lenteur. Moi, j'ai toujours été lent. Lent dans ma parler, lent dans mes mouvements, lent dans tout, vous voyez. Je suis une espèce de limace. J'en dis des conneries, ma mère. Enfin, j'espère que ça vous a plu. C'était le cours 345 d'art dramatique, un cours de vacances pour prendre la forme, pour prendre des forces, pour préparer les jours meilleurs qui vont arriver. Ah, les jours meilleurs sont devant nous. Sont devant nous. Non. Non. Peut-être. 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 Qui sait ? Qui sait ? Si on ferme la télé, ça y est, on est tranquille. Au revoir, à bientôt.